vous méritez d'être ici parce que vous avez tous participé au projet et que si on a gagné le projet, c'est grâce à vous. Mais vous avez des devoirs. Vous représentez le lycée Fourier, vous représentez la section sportive. On doit être à la hauteur du truc parce qu'il y a du monde qui voudrait être à notre place cette journée. Pour la musique quand même. Oh, c'est trop beau! C'est beau. C'est impressionnant d'arriver devant comme ça, quoi. On veut vraiment être dans la bonne humeur. Puis en même temps, on veut vous faire sentir aussi, parce que c'est un centre de haut niveau. On va faire des petits entraînements, on va faire des petits matchs. Et le but, c'est que pendant deux jours, on s'éclate et qu'en même temps, on vive un truc un petit peu différent de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir tous les jours. Moi, je suis content de voir vos sourires. Donc, c'est que ce projet a été bien et important pour vous. Pour nous, c'est incontournable d'associer le foot au développement du citoyen et au développement de la citoyenneté. Et ces points sont transformés en argent et on mettra un chèque à l'UNICEF à la fin de la journée grâce aux élèves qui sont impliqués dans l'activité football. Ce qui m'intéresse, je vous rappelle un petit peu la thématique, c'est la recherche du jeu dans le déséquilibre et la recherche du jeu dans l'intervalle. On est prêts ? C'est toujours impressionnant, on s'imagine à la place des pros un peu. Et quand on voit même la Coupe du Monde dehors, ça fait rêver. Ouais. Étant petit, on veut tous atteindre l'équipe de France, mais après, il faut choisir d'autres chemins et puis il faut être heureux de ce qu'on fait. Et puis pouvoir être dans ce cadre, c'est juste magnifique et c'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum. Obligatoirement, il va la mettre en retrait. Je me dis que je marche sur les pas de plus grands joueurs. Je pense à Mbappé, à Dembélé. C'est le symbole de l'équipe de France, c'est le symbole même du football français. Donc pour moi, c'est pareil, c'est une fierté. On a de la chance d'avoir des installations gigantesques et on a des terrains splendides, donc franchement c'est un bonheur d'être ici. C'est vraiment un moment inoubliable qui nous permet de finaliser le projet qu'on mène depuis le mois d'octobre et puis de découvrir cette enceinte du football français. Allez vite, pense. Vas-y Lola, excellent. Trop mets lui. Que je le fasse, Louis. Très bien, toutes les deux, super. Quand vous faites un truc, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-le à fond, lâchez-vous. C'est comme ça qu'on réussit. Bah, la relève est prête, en tout cas la motivation est là. Faut pas que ça, mais ça commence de là. Et puis on peut voir dans leurs yeux que c'est vraiment un très bon moment pour elles et qu'elles vont profiter à fond de ce moment. Tu veux l'Angleterre, toi ? L'Angleterre, parce qu'il y a Harry Kane. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. C'est un match un peu fermé. J'ai jamais pensé un jour venir à Clairefontaine visiter. On peut se mettre dans la peau des Bleus et c'est vraiment une sensation incroyable, vraiment un moment inoubliable, je pense. Vas-y, Marie, j'y vais. Vas-y. On a été des privilégiés parce que même les gens qui viennent à Clairefontaine, ils vont pas visiter le château, ils vont pas voir les terrains, ils vont pas aller voir leur centre d'entraînement. Je suis arrivée heureuse et là je pars triste parce que j'ai pas envie de partir en fait. Je me dis que si on peut marcher dans leurs pas, on peut réussir comme eux. Ouais, le citoyen.